imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nom du Père, Edifice, Edicent Esprit. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Żywusali Marii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No, kto z Was spróbuje powiedzieć, dlaczego się modlimy? Qui peut me dire pourquoi on fait la prière? Pourquoi on prie? Les grands, oui. Modlimy się, bo chcemy protekcję dla od Pana Boga. Ochronę dla Pana, ochronę od Pana Boga. Dobrze. Co jeszcze? Ochronę przed czym? La protection. Pourquoi? Pour qui? Ochronę dla wszystkich. Dla wszystkich, dobrze. A co nam zagraża, skoro coś nas musi chronić? Pourquoi on prie, pourquoi on demande la protection? Qu'est-ce que nous freine? Vous avez perdu quoi pour quand on demande la protection? On prie parce que modlimy się, żeby się chronić przed szatanem. Żeby nie ulec nawołom szatana. A do czego nas namawia? Le satan il veut nous dire quoi? Il nous demande quoi? Chce nas z dobrej drogi sprowadzić. No a dlaczego to robi? Pourquoi il fait ça? Bo szatan nie lubi dobra, tylko lubi zło. No właśnie, właśnie, dobrze. Vous avez compris? Czy jeszcze jakieś inne powody, dla których się modli? Mais qu'est-ce que vous pensez? On prie encore pourquoi? Vous avez quelle raison pour prier? A to? On prie si tu les malades, les orphelins. Modlimy się za chorych i za tych, którzy nie mają, są samotni. Dobrze. I dlaczego ta modlitwa jest im tak potrzebna? Vous pensez que, czy bez modlitwy nie daliby sobie rady? Sans prière, les morts et les malades, ils vont pas être bien? Nie będą się dobrze czuć. Jak ktoś zmarł i jak ktoś zmarł i niedobrze, nie. A jeżeli tutaj na ziemi źle się prowadził, to Pan Bóg mu nie da życia wiecznego. Dobrze. Kłankor. No i jeszcze, dlaczego się modlimy? Pourquoi on prie? Dlaczego? Dlaczego dzieci się modlą? Modlimy się, żeby chwalić Pana Boga. No właśnie. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy od tego zaczęli, że zawsze modlimy się z miłości do Pana Boga. Alors, c'est ça qui le Père disait que ça c'est très important pour prier, pour louer le Seigneur, parce que pour l'amour du Seigneur. Pan Bóg nas bardzo kocha, stworzył dla nas piękny świat. Le Seigneur, le Dieu nous aime beaucoup et nous a donné le très bel monde. Stał się dla nas człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Alors, il est venu ici comme l'homme, comme le petit enfant. Oddał za nas życie na krzyżu. Et après la vie sur la terre, il a été crucifié, il a donné sa vie pour nous. I gdyby tego nie zrobił, nie moglibyśmy pójść do nieba. Si Jésus ne donne pas la vie pour nous, nous ne pouvons pas la rencontrer au ciel. I nikt nas tak nie kocha na ziemi jak Pan Bóg. C'est seulement Dieu qui nous aime plus que tout le monde. Nawet rodzice, nawet mama, czy tata, czy brat, czy siostra. Même maman, même papa, même la frère, le sœur, la grand-mère, grand-père ne nous aime pas comme Dieu.
Pan Bóg mówi o sobie, że jest miłością. Dieu dit qu'il est l'amour. A jeżeli ktoś nas kocha, to co my powinniśmy zrobić? Si quelqu'un nous aime, on doit faire comment? Voilà. Też mamy go kochać. I właśnie modlitwa jest najlepszym sposobem pokazania Bogu, że go kochamy. La prière est la chose la meilleure pour aimer Dieu. Pan Bóg bardzo się cieszy, ilekroć modlimy się. Dieu est très heureux quand chaque fois quand on fait la prière. My go nie widzimy, ale on jest przy nas obecny. On ne voit pas Dieu, mais il est à côté de nous toujours. Kiedy modlimy się do Pana Jezusa, jest przy nas Pan Jezus. Quand nous prions le Jésus, il est toujours à côté de nous. Kiedy modlimy się do Matki Bożej, jest przy nas Matka Boża. Quand on prie la Vierge Marie, elle se met à côté de nous. I uważnie słuchają, co mamy mu do powiedzenia, co mamy Matce Bożej też do powiedzenia. Le Jésus, Dieu, la Vierge Marie, il écoute très très bien toutes les choses que vous le dites. I bardzo cieszę się, kiedy chwalimy Pana Boga, kiedy go wysławiamy, uwielbiamy. Et ils sont très heureux quand on fait la prière de louange et quand on dit toutes les belles choses à Dieu. Bo modlitwa ma być przede wszystkim naszym mówieniem Bogu: dziękuję Ci, Boże. Notre prière, on doit d'abord dire merci à Dieu pour toutes les choses qu'il nous a donné. I tego kocham, komu potrafię mówić dziękuję. J'aime la personne à qui je dis toujours merci. No, ale jeżeli kogoś kocham, to jeszcze jest jedno ważne słowo, które mu się czasem mówi. Quand j'aime quelqu'un, il y a encore une parole qui est très importante qu'on doit dire. Jak myślicie, co to za słowo? Ça peut être quel mot? Voilà. Dziękuję. To było, ale jeszcze drugie słowo. Encore d'autres paroles. Szczególnie, kiedy zrobimy coś nie tak. Quand on fait les bêtises, on doit dire quoi? Voilà. Przepraszam. Mamy za co przepraszać Pana Boga. Alors, la parole pardon, parce que nous avons beaucoup de choses qu'on a fait pas trop bien, on doit dire pardon. I za co najbardziej go przepraszamy? Qu'est-ce que vous pensez? On dit pardon pourquoi à Dieu? Pour quelle chose qui est plus important? Pardon? To, co żeśmy źle zrobili. Właśnie, czyli za nasze grzechy. Pour toutes les choses qu'on a fait, comme les bêtises, ce sont nos péchés qu'on a dit. Ce sont les péchés petits et grands aussi. Jest taki zwyczaj, przynajmniej w Polsce, że jeżeli ktoś kogoś przeprasza, to daje mu piękne kwiaty. Chez nous, en Pologne, il y a une petite règle. Si j'ai offensé quelqu'un, je pars avec une fleur pour dire pardon. A czy tutaj w Kamerunie coś dajecie komuś, jak go przepraszacie? Est-ce que ici vous donnez quelque chose quand on fait une bêtise, je vais te dire pardon, est-ce que vous donnez quelque chose ici? Il n'y a pas. Nie. Pardon? Il n'y a pas dit. No. Ale byłoby wam miło, gdybyście dostali ładny kwiatek, gdyby was ktoś cukierka chciał przeprosić, tak? Le père demande, est-ce que vous serez très content quand quelqu'un vient vous dire pardon, il vous donne les fleurs, les bonbons ou quelque chose, n'est-ce pas? Vous serez très joyeux. Byłoby wam miło, tak jest. Voilà. I modlitwa jest właśnie takim naszym kwiatem, który dajemy Bogu, żeby go przeprosić. Alors la prière, c'est une petite fleur qu'on donne à Jésus, on donne à Dieu quand on dit pardon. W Polsce też, kiedy kogoś kochamy, to dajemy mu kwiat. En Pologne aussi, quand on aime quelqu'un, on offre aussi une petite fleur. A tutaj coś dajecie komuś, gdy go kochacie? Est-ce que ici vous donnez les cadeaux de temps en temps à la personne que vous aimez? Oui, qu'est-ce que vous donnez? Co? Na przykład. Tak. Co? Qu'est-ce que vous donnez? Quoi? Qu'est-ce que vous donnez? Les beignets. Pączki. Bravo. Vous partagez, non?
Quoi encore? Cukierki pewnie też. Et les bonbons. Vous ne partagez pas les bonbons entre vous? Szczególnie voilà. Dzieciom daje się cukierki, gdy się je kocha. N'est-ce pas que quand on aime les enfants, on donne les bonbons, non? Ale popatrzcie pod figurkę Matki Bożej, tam też są kwiaty. Regardez devant la grotte, il y a aussi les fleurs. Et il faut pas les couper. I pewnie ktoś je tam dał, bo kocha Matkę Bożą. Alors, on a mis là-bas les fleurs parce qu'on aime la Vierge Marie. Być może nawet chciał ją za coś przeprosić. Peut-être, quand vous priez là-bas devant, peut-être vous avez aussi donné les petites fleurs sans que les fleurs, sans on voit les fleurs, parce que vous avez demandé le pardon, n'est-ce pas? Ale nawet najpiękniejsze kwiaty kiedyś zwiędną. Mais tous les fleurs, quand on donne, un jour ils vont être fanées. On va jeter dans les poubelles. A nasza modlitwa nigdy nie więdnie. Mais la prière, elle ne fane pas. Elle est toujours bien, elle est toujours fraîche. I Pan Bóg czy Matka Boża nigdy o niej nie zapominają. Et Jésus, la Vierge Marie, elle n'oublie jamais notre prière. Był kiedyś taki jeden święty, który dużo się modlił do Matki Bożej. Il y avait un jour un saint qui a prié beaucoup, beaucoup, beaucoup la Vierge Marie. Odmawiał bardzo dużo różańców. Il a prié beaucoup du chapelet. I miał taki zwyczaj, że zawsze, kiedy nie miał nic innego do roboty, to odmawiał Zdrowaś Maryjo. Chaque fois, quand il n'y avait rien à faire, il a prié Je vous salue Marie. Une, deux, trois fois. Ale nawet kiedy pracował, też mówił Zdrowaś Maryjo. La même chose, quand il a travaillé avec les mains, la bouche et son cœur a parlé toujours, prié, je vous salue Marie. Także w ciągu dnia potrafił odmówić tysiące, tysiące razy Zdrowaś Maryjo. Toute la journée, quand il a prié, je vous salue Marie, c'était le centaine, 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 dit, je vous salue Marie. Toute la journée, de matin jusqu'au soir. I kiedy umarł, to ludzie czuli zapach róż. Quand il est mort, on sentait l'odeur de rose. Wszyscy wchodzili do pokoju, w którym umarł. Tout le monde se pressait là-bas dans la chambre où il était mort pour voir son corps et sentir aussi les roses, oui. L'odeur du rose. I zamiast przykrego zapachu czuli zapach róż. Bardzo mocny, silny zapach róż. Et quand ils sont rentrés là-bas, au lieu de sentir un cadavre, ils ont senti le parfum du rose. I w taki sposób Matka Boża pokazała ludziom, jak bardzo kochał różaniec. Et comme ça, la Vierge Marie a montré comment la personne qui était décédée, comme il a aimait le chapelet. I kiedyś komuś z tego samego klasztoru przyśnił się taki sen. Il était dans une couvent et un jour quelqu'un d'autre il a rêvé. Że widzi zmarłego swojego brata z klasztoru. Il a rêvé qu'il voit son frère qui était mort. I Matka Boża prowadzi go za rękę do nieba drogą usłaną z róż. Et la Vierge Marie avec lui, il a pris la personne qui est décédée, son frère, et il part avec lui au ciel, avec plein de, à le divan, comme ça, avec les gazons de roses, plein de roses. Miliony, miliardy róż. Les millions, millions de roses qui étaient comme ça, comme le divan. I Matka Boża powiedziała, ty przygotowałeś tą drogę swoimi modlitwami. Et la Vierge Marie a dit au frère, c'est toi qui a mis les roses pour aller au ciel. Teraz ta droga prowadzi cię do nieba. Et maintenant, cette route te conduit au ciel. Tak więc modlimy się, żeby Bogu dziękować, mówić, że Go kochamy, żeby Go przepraszać. Alors, nous prions, même les petits, même les grands, nous prions pour demander le pardon, pour dire merci à Dieu et à la Vierge Marie aussi. A popatrzcie, że dopiero na końcu mówię o tym, że modlimy się po to, żeby prosić. Regardez, c'est à la fin qu'on va parler maintenant de
des prières, des demandes. C'est à la fin. On dit merci, on dit pardon. À la fin, on demande, on fait la prière de demande. No właśnie, najczęściej chyba się modlimy wtedy, kiedy czegoś chcemy od Pana Boga. Je pense qu'on prie seulement quand on a besoin quelque chose de Dieu. To tak jakby ktoś odzywał się do kogoś tylko wtedy, kiedy czegoś od niego potrzebuje, jeśli czegoś od niego chce. Imaginez-vous si on se parle seulement quand on a besoin de quelque chose. Czy byłoby nam z tym dobrze? Est-ce qu'on pourrait se sentir bien? Mieć takiego przyjaciela, który odzywa się do nas tylko wtedy, kiedy czegoś chce. Avoir un ami quand il a besoin quelque chose et vient chez nous. Czy dziewczyna chciałaby mieć takiego męża, czy mąż chciałby taką żonę? Est-ce que la fille sera joyeuse que si elle a son mari et il vient seulement chez elle quand il a besoin quelque chose? Si le garçon quand il va se marier, quand sa femme a besoin quelque chose, il vient lui parler? Est-ce que vous serez content? No, właśnie. A my czasami wobec Boga tacy jesteśmy. Souvent, peut-être de temps en temps, nous sommes comme ça avec le Dieu. Oczywiście, jak najbardziej trzeba się modlić, aby Boga prosić. C'est normal que on doit prier Dieu quand on va demander les choses à Dieu. C'est normal. Po to Pan Jezus nauczył nas modlitw. Pour ça, Dieu nous a appris la prière. I mówi, uczy nas w modlitwie Ojcze nasz chleba naszego powszedniego. Avec la prière de notre Père, il nous a appris, donne-nous le pain de chaque jour. I kiedy o coś Boga prosimy, to wiemy, że to wszystko to jest darem od Boga. Quand on demande quelque chose à Dieu, on sait que c'est le cadeau que Dieu nous donne. Że bez Bożej pomocy nic byśmy nie mieli. Sans Dieu, on pourrait rien avoir. Ale jeszcze ktoś z was powiedział, że modlimy się dla ochrony. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on demande Dieu la protection. To jest bardzo ważne. Ça c'est aussi très très important. Słusznie powiedzieliście, że jest ktoś, kto nas bardzo nienawidzi. Vous avez dit, et c'est très très vrai, qu'il y a quelqu'un qui nous déteste tellement. I to jest właśnie szatan, zły duch. Et ça c'est le Satan, c'est mauvais esprit. Jego też nie widzimy. On ne voit pas le Satan. Ale on jest. Mais il est aussi là. Szatana nie widzimy, ale czasami widzimy ludzi, którzy są pod jego wpływem. Nous ne voyons pas le Satan, mais de temps en temps nous voyons les personnes que Satan met devant nous. Tak samo jak nie widzimy wiatru, ale czujemy jego podmuch. C'est la même chose quand il y a le vent, on ne voit pas, mais on voit les arbres qui bougent, les fleurs qui bougent. I kiedy widzimy człowieka, który jest zły, który krzywdzi innych. Et quand nous voyons la personne qui est mauvaise, qui fait le mal aux autres, który potrafi drugiego zabić, qui peut tuer les autres personnes, okraść, qui est capable de voler, powiedzieć mu coś bardzo przykrego, dire les paroles qui te fait mal, to możemy być pewni, że w tym człowieku jest zły duch. On peut être sûr que dans le cœur de cette personne, c'est un mauvais esprit. A kiedy spotykamy człowieka łagodnego, dobrego, quand on rencontre une personne qui est calme, qui est bien, który pomaga innym, qui aide les autres personnes, który czyni wszystkim dobro, qui fait bien à tout le monde, sans exception, to możemy być pewni, że w nim mieszka Pan Jezus. On peut être sûr que Jésus est dans son cœur. I widzicie, żeby wszedł w nas zły duch, co trzeba zrobić? Qu'est-ce qu'on voit quand le mauvais esprit vient dans notre cœur? Wystarczy przestać się modlić. Ça suffit qu'on laisse la prière. To tak jak człowiek, jeżeli chcemy, żeby zachorował. C'est la même chose quand on veut que la personne soit malade. Wystarczy, żeby przestał się myć. Ça suffit que la personne laisse à se laver. Il ne se lave pas. Bardzo szybko zachoruje i umrze. Il va être la personne qui ne se lave pas tout
tout de suite elle va tomber malade et après peut-être elle va mourir. Czyli jak widzicie, niewiele trzeba, żeby wszedł w nas zły duch. Vous voyez, c'est une petite chose. Quand on laisse la prière, le mauvais esprit peut rentrer dans notre cœur. Ale żeby był w nas obecny Pan Jezus, trzeba trochę pracy. Mais si on veut que Jésus est dans notre cœur, il faut un peu travailler. Tu właśnie potrzeba naszej modlitwy, dobrych uczynków. Alors, le travail c'est quoi? Prier et faire les choses qui sont bien. Kto się modli, ten potrafi kochać. La personne qui prie, elle est capable de aimer. Kto się nie modli, ten na pewno będzie krzywdził innych. La personne qui ne prie pas, elle va être méchante, elle va faire le mal aux autres. I staje się bardzo łatwym łupem dla złego ducha. Et la personne qui ne prie pas, qui fait le mal aux autres, le mauvais esprit va la prendre et va habiter dans son cœur. I modlitwa nas chroni. La prière, c'est il nous blinde, il nous protège. Widzicie, tutaj w ogrodzie jest pies na łańcuchu teraz. Vous voyez, là-bas le chien qui est dans la cage. Ale wieczorem jest spuszczany z łańcucha. Le soir, on le libère. Żeby zły człowiek nie wszedł tutaj i nie narobił szkód. Que le voleur ne vient pas et il ne vole pas. No i gdyby ktoś wszedł na teren ogródka, na pewno ten pies mógłby zrobić mu krzywdę. Si le soir, au ce matin, quand la fille était là, le chien voulait la mordre. Ponieważ nie jest przywiązany łańcuchem. Parce qu'il n'était pas attaché. I podobnie jest ze złym duchem. C'est la même chose avec mauvais esprit. Kiedy człowiek się nie modli, to jest jak ten pies spuszczony z łańcucha. Quand la personne ne prie pas, c'est la même chose comme le chien qui est libéré, qui est libre. Zły duch, jak widzi, że człowiek się nie modli, natychmiast do niego przybiega. Alors, le Satan, le mauvais esprit, il voit quand la personne ne prie pas, il vient tout de suite l'attaquer. I jak pies, chwyci go. Et comme le chien, il peut la attraper. I nie chce go puścić. Et il veut pas la lâcher. A kiedy modlimy się? Et quand nous prions, to jest jak pies na łańcuchu. C'est comme le chien attaché à côté de la cage. Szatan się wścieka, ale nie może się do nas zbliżyć. Il est très en colère, mais il est là, il ne peut pas nous attraper. On może warczeć, szczekać, ale nie zrobi nam krzywdy. Le Satan peut être méchant, il peut aboyer, il peut être en colère, mais il est là, il ne peut pas venir nous faire du mal. Dlatego wszyscy musimy się modlić. Pour ça, tout le monde doit prier. On ne dit pas tu es protestant, tu es catholique, tu es musulman, tu ne prie pas. Tout le monde doit prier. Bardzo ważne jest też to, że kiedy się modlimy, musimy wierzyć w to, że modlimy się do Boga. Quand on prie, on doit croire que on prie à Dieu. Niektórzy robią to dlatego, bo muszą. Il y a les personnes qui prient parce qu'ils sont obligés. La grand-mère te réveille le matin comme ça, tu dis oui, je vais prier, mais ta tête est loin. Woleliby w tym czasie oglądać mecz czy zajmować się jakimiś zabawami. Quelquefois, c'est mieux pour nous aller regarder la télé, les mauvaises nouvelles là-bas, le feuilleton, que prier. Jeżeli ktoś się tak modli bezmyślnie. Si quelqu'un prie sans penser à Dieu, to wtedy taka modlitwa bardzo go nie chroni. La prière là ne nous protège pas, ne nous blinde pas. Dlatego musimy w tym być bardzo sumienni. Pour ça, on doit être très très exigeant pour nous-mêmes, pour la prière. Pamiętajcie, od tego zależy coś bardzo ważnego. Ça c'est de la prière. Od tego zależy coś bardzo ważnego. De la prière dépend une chose qui est très très important. I tym czymś jest nasze życie wieczne w niebie. C'est la vie après la mort au ciel à côté du Jésus. I to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, o jaką mamy się modlić. Et c'est la première et plus importante chose pour qui on doit prier. Pour quelle on doit prier. Żebyśmy po śmierci mogli pójść do nieba. Que après notre mort, on part directement au ciel. My, nasze rodziny, przyjaciele. Nous, nos familles, nos amis. Pan Jezus chce także, żebyśmy się modlili za kapłanów. Le Jésus veut qu'on prie aussi pour les prêtres. Ponieważ oni dają nam Pana Jezusa. Parce que ce sont les prêtres, seulement les prêtres qui nous donnent le Jésus. W
kościele katolickim kapłani odprawiają msze święte. A l'église catholique, les prêtres célèbrent la messe. Dają nam komunię świętą, czyli ciało Pana Jezusa. On peut recevoir le corps du Christ. I co jeszcze robią takiego bardzo ważnego? Et qu'est-ce qu'ils font encore très, qui est très très important? Kto z was powie? On peut se, możemy się ochrzcić. Tak, czyli udzielają sakramentów, voilà. Bardzo dobrze. I nous apprend aussi, elle nous donne les sacrements. A z tych sakramentów jest jeszcze jeden bardzo ważny. Dans tous les sept sacrements, c'est un qui est très très important, c'est quel? Confession. La confession. Voilà. La confession. La confession, le sacrement du pénitence. Spowiedź święta. Voilà. Odpuszczają grzech. Parce que c'est seulement le prêtre qui peut nous absoudre le péché. I to jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy mogli pójść kiedyś do nieba. Et tout ça, c'est très important que après on peut aller au ciel. A czy macie teraz może jakieś pytania co do modlitwy? Czy chcecie coś zapytać? Est-ce que vous avez les questions au père? Toutes les questions sont bonnes. Vous avez quelle question? Oui, Emmanuel. Czy wszyscy mogą być święci? Przede wszystkim święty jest człowiek, który tego chce. Le saint peut être la personne qui veut être saint. Ale nie wszyscy tego chcą. Mais pas tout le monde qui veut. To są właśnie jak dzieci w szkole. C'est comme les enfants à l'école. Są takie dzieci, które zadowolą się najniższą oceną, byleby przeszły do kolejnej klasy. Ce sont les enfants, par exemple, qui s'ils ont les trois, les pas 20 sur 20, mais peut-être 10 sur 20, et ils sont ça va. Je passe. Ale są też takie dzieci, które chcą mieć najlepsze oceny. Mais il y a les enfants aussi, ou les jeunes, qui veulent avoir toujours 100%, 20 sur 20. Więc jeżeli tylko ktoś pragnie, żeby być świętym, na pewno zostanie święty. Tout le monde, ceux qui veulent être saint, vous pouvez être sûr qu'il sera saint. Ale trzeba włożyć w to dużo pracy i miłości. Mais il faut avoir beaucoup d'amour et il faut travailler beaucoup pour ça. Może jeszcze. Oui, d'autres. Czy jest życie po śmierci? Oczywiście, że jest życie po śmierci. Bien sûr. Après la mort, il a la vie. Właśnie dlatego Pan Jezus był między nami na świecie. Pour ça, Jésus était avec nous. Żeby przekazać nam tę prawdę. Pour nous dire que après la mort, il y a la vie. C'est la vérité qui nous a laissé. Warto czytać Ewangelię. C'est très important pour lire l'évangile. Pan Jezus w jednej z Ewangelii coś powiedział, coś takiego. Il y a un évangile où on peut lire que Jésus a dit. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de chambres. Idę teraz do nieba, żeby przygotować wam mieszkanie w niebie. Je pars maintenant pour préparer les places pour vous. I Pan Jezus każdego z nas chce widzieć w niebie. Et Jésus veut avoir tout le monde là-bas. Ale to od nas zależy, czy tam się znajdziemy. Mais c'est seulement nous qu'on peut gagner cette place. Czy będziemy Bogu posłuszni, czy będziemy przestrzegać Jego przykazań? Si on sera, si on va respecter Dieu, si on va respecter les commandements qu'il nous a laissés. No, czy będziemy sobie po prostu żyli tak, jakby Pana Boga nie było? Si on va vivre comme ça, si Dieu n'existe pas. I myślę, że właśnie szatanowi bardzo zależy na tym, żebyśmy nie wierzyli w to życie wieczne. Je pense que Satan veut tout faire qu'on ne croit pas qu'il y a la vie après la mort. Pamiętam też taką historię z mojej parafii. Je me souviens d'une histoire de ma paroisse. Że umarł pewien mężczyzna, który nie wierzył w życie po śmierci. Que après il est mort un papa qui ne croyait pas qu'il y a la vie après la mort. I on po śmierci przychodził do swojego syna i do swojej żony. Et il revenait après la mort, il venait voir sa femme et son fils. Także oni go widzieli jak takiego ducha. Ils ont vu comme un esprit qui vient avec la visite. Widzieli go jakby w ogniu. Ils ont vu cet esprit dans les flammes.
I on mówił, że musicie się nawrócić, bo inaczej skończycie tak jak ja. Il a dit, il faut que vous changez, sinon vous pouvez finir comme moi. Les grands encore, les filles. Même les autres, oui. Tu voulais demander quelque chose, oui. Czy jak się mówi, że on jest święty, to nie znaczy, że grzeszył? Każdy człowiek grzeszy. No. Tout le monde fait le péché. Tylko Matka Boża nie popełniła nigdy żadnego grzechu. Seulement la Vierge Marie n'a pas fait une seule péché. Ale wiesz, czym się różni święty od zwykłego człowieka? Est-ce que tu connais quelle est la différence du saint et la personne normale? Tym, że jeżeli zdarzyło mu się zgrzeszyć, to natychmiast przepraszał Pana Boga. Le saint, chaque fois qu'il est tombé, quand il a fait le péché, tout de suite il demandait le pardon. Od razu biegł do spowiedzi. Tout de suite il partait se confesser, s'il avait la possibilité. Święty dużo się modlił. Et le saint, ils ont prié beaucoup. I rzeczywiście dużo mniej popełnia grzechów niż inni ludzie. Et le saint, quand même les saints qui sont à côté de nous, ceux qui prient beaucoup, on pêche moins. Święci mają też bardzo wrażliwe sumienie. Les saints, ils ont la conscience très très fragile, ils sont très conscients. Spowiedź świętego człowieka wygląda inaczej niż spowiedź zwykłego. La confession des saints, elle est différente de confession d'une personne normale. Zwykły człowiek zobaczy może kilka grzechów. La personne simple. Il dit peut-être quelques péchés. A święty zobaczy ich dużo. Elle est saint, il voit beaucoup de ses péchés. Tam, gdzie inny by ich nie zobaczył. Là où les autres ne voient pas. Wynika to z tego, że człowiek święty żyje blisko Boga. Alors ça, parce que le saint est toujours à côté de Dieu. I jest jak człowiek, który wychodzi na słońce. Et c'est comme une personne qui part. Jak wyjdziesz na słońce, zobaczysz dużo plam na swoim ubraniu. Quand tu sors de la maison sous le soleil, tu vois beaucoup de taches sur ton habit. Ale jeżeli w tym samym ubraniu wejdziesz do ciemnego pomieszczenia, mais avec la même vêtement, avec le même vêtement, tu rentres dans une chambre qui est obscure. To stwierdzisz, że nic nie widzę, nic tam nie ma. Comme ça, tu peux pas voir tous les choses, tu dis non, ça va. Ale to nie znaczy, że tam nic nie ma, tylko jesteś w ciemności. Ce n'est pas vrai, parce que comme tu es dans une chambre. I tak dzisiaj wielu ludzi żyje w ciemnościach. C'est comme ça, beaucoup de monde aujourd'hui vit dans les ténèbres. I mówią, że nie mają grzechów. Et dis qu'ils n'ont pas les péchés. A wielu świętych, którzy żyją blisko Boga, światła. Et beaucoup de saints qui vivent à côté de Dieu, de lumière. Widzą o wiele więcej. I voient beaucoup de plus. I się z tego szybko spowiadają. Et ils se confessent vite. Także tyle. Czy jeszcze coś, czy będziemy? Vous avez encore quelque chose? Czy jeszcze mają siły, słuchajcie? Voilà. Y a encore une question? La dernière fois que ceux qui sont déjà communiés, baptisés. Vous vous êtes confessé quand la dernière fois? Tu t'es confessé quand? 3 ans. 3 lata. Zidane? Ne parle pas encore. Ah, tu n'es pas. Tu prends Emmanuel? 8 tygodni. Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas. Jeden rok. Co, jeden rok? 3 lata się nie spowiadał, rok i 8 tygodni. No, a powinniśmy przynajmniej raz na miesiąc. Alors, vous voyez, quand on se sentir très, très proche de Dieu, au moins une fois par mois on doit se confesser. To jest takie minimum. Ça, c'est un minimum. Jak często powinniśmy myć zęby, żeby były zdrowe? Chaque combien de fois on doit laver les dents? Que la bouche ne sont pas et les dents sont bien. Jak myślicie? Combien? Deux fois. Deux fois par quoi? Matin, soir, n'est-ce pas? Le matin et le soir. Tu te laves combien de fois par jour? Une fois. Au moins, n'est-ce pas? Tu manges combien de fois?
Voilà. Czyli? Pytam się, ile razy jedzą, ile razy się myją, ile... C'est la même chose. C'est la même chose. On doit, chaque fois qu'on on sent dans son cœur qu'on a fait les choses qui ne sont pas bien. Par exemple, tu t'es bagarré avec les camarades, tu as volé, tu as fait les mauvaises images, mauvais esprit, mauvaises pensées, tu regardais les films porno et tout ça. Tu ne dois pas laisser ça. Parce que dans ton cœur, il y a le trou, le trou, le trou, le trou. Tout de suite, tu dois te confesser. Mówię, jak się pokłócili, jak coś ukradli, żeby zaraz szli do... Vous comprenez? Et les enfants, quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, quand vous volez, quand vous bagarrez, quand vous volez les beignets, ou l'argent, ou les goûters dans le... à l'école, tout de suite, il faut aller demander pardon. Parce que dans le cœur, c'est un trou. Après deux, après trois. Après, le cœur sera très, très malade. Il faut toujours demander pardon. Le pardon, c'est comme le pansement. Tu as la blessure, n'est-ce pas? Qu'on part à l'hôpital, on met la bande, n'est-ce pas? C'est la même chose. Le pardon pour le cœur, c'est comme la bande pour la plaie. Après la plaie guérie, hein? Mówiłam im, że jak mało, jak coś przeskrobię, to żeby szedł szybko do... przeprosić, bo to jest jak rana, którą idzie do szpitala, później mu dają ten opatrunek i później się kończy. Ça va? Vous avez encore quelque chose à demander? Tu pries combien de fois? Vous priez combien de fois par jour? Comment tu oublies? Tu pries deux fois, on a deux razes chez moi. Tu pries. Vous partez à la mosquée combien de fois? Oui. Chaque jour combien? Tu pries combien? Rano i wieczór. Matin et le soir. Ale najważniejsza modlitwa to niedzielna msza święta. Ale w tygodniu też msza święta. La plus grande prière pour les catholiques, c'est la messe. Dimanche, chaque fois quand vous avez la possibilité pour courir à la messe, il faut aller à la messe. C'est plus grand prière. Même si vous ne comprenez rien du tout, qu'est-ce que le prêtre dit. Quelquefois, il dit les paroles qu'on ne comprend pas, c'est difficile. Mais vous restez là-bas, vous regardez le Jésus, vous causez avec la Vierge Marie. Vous comprenez? Parce que quand vous sortez, vous avez beaucoup de bénédictions avec vous. Et vous ramenez les bénédictions pour les parents, pour les grands-mères, pour vos amis. Mówiłam im, że jak wychodzą z kościoła, to mają dużo łask, które mogą później porozdawać tak jest. W domach. Ale też sobie odkładają taki skarb w niebie. Vous voyez, quand vous partez à la messe. Chaque fois quand vous zakonnik te róże. Quand vous partez à la messe, vous gardez un petit trésor pour partir au ciel. Alors chaque fois quand on part à la messe, comme le monsieur qui est mort, qui a prié beaucoup, il y avait toujours une rose qui laissait. Nous, on ne laisse pas les roses, mais on fait un trésor. On met dans la boîte un trésor comme ça, comme ça, comme ça. Et la boîte grandit. Et quand on va mourir, la boîte va s'ouvrir avec tous les trésors qu'on porte au ciel. Et Jésus viendra nous prendre comme ça, avec tous nos trésors. Ça va? On est fatigué, n'est-ce pas? Ok. Pomodlimy się, co? Na koniec. Maintenant, on va prier. Mogą siedzieć, tak? On va prier à la fin. On va demander quoi pendant la prière? Można spytać, jaką modlitwą chcieliby się pomodlić. Za co się mamy modlić teraz? On va prier pour qui? Pourquoi? Chacun, hein? Chacun peut dire. Pour tout le monde, za cały świat. Za chorych. Za dusze w czystu cierpiące. Za więźniów, w więzieniu.
Pour les? Za dzieci, które nie mają rodzin. Za zmarłych. Qui encore? Pour les morts. Et vous les grands, vous ne priez pas pour avoir une bonne femme et vous pour avoir une bonne mari. Nie będziecie się modlić za to, żebyście... Voilà, pour les exams. Écoutez, nous les filles, ma grand-mère disait à nous tous qu'on doit prier. Même quand tu es petite, tu dois prier déjà pour demander un bon mari. Un mari qui est saint, qui sera saint. Et vous les garçons, pour une femme qui sera saint. C'est maintenant, quand vous êtes petit, qu'on doit... Pour nous, peut-être c'est déjà tard, mais priez toujours. Hein. Pour avoir... Voilà. Voilà. On prie aussi pour la chwałę Bożą. Oui? O dobre życie. Bravo. Alors, on va prier. Quelle prière? On prie quelle prière? Je vous salue, Marie. Okay. Quoi? Ok. Do Matki Bożej się chcą modlić. Dobrze. To co? Poznają pod Twoją obronę może? Czy nie? Pozdrowaś Marię. Okay. On va prier la Vierge Marie, ok? Les trois fois, je vous salue Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jeszcze jakąś piosenkę ładną znają? Bon, le père demande, est-ce que vous pouvez chanter une chanson? Vas-y, les choristes. Vas-y, non? Ave? Vas-y, un, deux, trois. Ave Maria, ave, ave, ave. Très fort. Ave Maria. Que la Vierge Marie entende, parce qu'on n'entend pas encore une fois. Maintenant, mettez-vous debout, le Père va nous bénir. Après, on fait les photos du souvenir, qu'il se souvient de vous, qu'il prie aussi pour vous, quand il va partir. Pan z vami. Le Seigneur est avec vous. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Fils, Saint-Esprit. Amen. Fajnie, to co, zdjęcie sobie. Zrobimy zdjęcie. Dobrze.